Hey yo tout le monde, c'est DDTotoHugger9 percoché, vous ça va super en tout cas, moi ça va nickel, DDTotoHugger9 ok de Majestic Lion, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne de la Obscure Clan et aujourd'hui on se retrouve avec un petit tutoriel comment monter vos armes en diamant plus facilement. Alors les tutos c'est un petit peu mon univers, c'est un petit peu mon kiff, j'aime beaucoup vous aider et vous apporter quelques petites astuces, notamment avec les montées des armes, parce qu'il faut savoir que j'ai une série sur ma chaîne où justement j'aide les gens à monter les armes en or. D'ailleurs vous aurez quelques gameplays sous les yeux justement de quelques petits gameplays personnels. C'est pas du gros gameplay mais on s'en fout aujourd'hui les gars, le gameplay n'est pas le plus important. Aujourd'hui c'est surtout ce que je vais avoir à vous dire. C'est pour ça qu'on envoie cette vidéo aussi à Code QG et à Code CF pour essayer de faire passer le message à le plus de personnes possible pour vous aider avec ce tutoriel à monter vos armes en diamant et du coup débloquer le camouflage en objectif final, débloquer le camouflage Dark Mater. En gros, vous le savez, le Dark Mater, c'est vous débloquer toutes les armes en diamant. Donc aujourd'hui, je vais vous aider à débloquer vos armes en diamant plus facilement. Je vais délibérer ça en plusieurs catégories, bien entendu, puisque chaque arme n'a pas vraiment la même façon de monter. Vous allez voir qu'en fonction des armes, c'est beaucoup plus facile ou beaucoup plus simple. On va commencer par les fusils d'assaut qui est ma spécialité. Les fusils d'assaut, pour les monter, je vous donne quelque chose de très simple. Jouer en hardcore, ça va très facilement vous aider à tirer dans la tête. Mais surtout, mettez des viseurs. La plupart des, surtout pour les défis headshot au début, puisque vous allez voir que pour les fusils d'assaut, vous avez 100 headshots à effectuer. Donc pour les tout premiers défis qui sont les défis de headshot, je vous conseille d'aller jouer en hardcore et de jouer surtout avec un viseur laser et de le plus possible viser la tête. Évitez de tirer sur le corps de vos adversaires, mais visez la tête surtout. Ça va beaucoup plus vous aider à éliminer les ennemis plus rapidement. Et ça va, vous allez enchaîner les headshots très rapidement et vous verrez qu'au bout d'un moment, les 100, vous les ferez le plus facilement possible. Et ça va vraiment être très très rapide. Pour ce qui est des autres défis du type sanguinaire, ça va un petit peu se faire tout seul. Je vous conseille d'aller dans des modes de jeu classiques, de pas vous compliquer la vie, jouer dans des modes de jeu classiques et essayer de faire vos séries calmement sans forcément essayer. En fait, ne vous mettez pas en objectif dans la tête, je dois faire mes sanguinaires. Car si vous avez l'objectif dans la tête, vous aurez plus de mal à réaliser tout simplement que si vous survolez un petit peu cette idée très rapidement. Pour ce qui est des sans accessoires, les sans atouts, c'est pas compliqué, vous enlevez tous vos atouts, vous faites 50 kills sans vos atouts. Et pour ce qui est des 4 accessoires plus du viseur, donc je crois que c'est plutôt les 5 accessoires plus un viseur, ça c'est pas compliqué non plus, vous équipez tout ça une fois que vous avez le niveau qu'il faut et vous réalisez ça, vous allez voir que c'est très simple à réaliser également. Après pour ce qui est des tirs de loin, c'est pas compliqué les gars, vous vous foutez sur des grandes maps, donc n'hésitez pas à jouer sur Hunted ou Fringe qui sont vraiment les deux meilleures maps pour faire vos long shoots ou aussi Invasion. Vous vous foutez sur les tops, donc soit sur le top de Hunted, soit sur le top de Fringe qui est au milieu de la carte, soit sur le top de Invasion qui est au milieu de la carte de la même manière que Fringe, et vous tirez d'une fenêtre à une autre et vous allez voir vos headshots, vous allez limite les faire en une seule partie. Donc voilà, ça c'était mon petit conseil pour les fusils d'assaut. Ensuite passons aux mitraillettes. Les mitraillettes c'est moins mon fort, mais ça va pas beaucoup, ça va pas beaucoup être différent. Pour ce qui est des mitraillettes, donc les headshots, c'est pareil, en hardcore, boum, vous prenez vos mitraillettes. Petit viseur, ça dépend des armes, vous verrez, après ça dépend aussi de l'arme que vous utilisez, et ça va dépendre aussi de votre façon de jouer avec les armes. Si vous voyez que vous êtes à la VMP qui remonte beaucoup quand vous tirez, laissez, pas forcément besoin de viseur, ça va remonter tout seul, et des fois ça claque des headshots tout seul avec la VMP. Mais voilà, je vous conseille plutôt de mettre des viseurs et de plus, le plus possible jouer à viser la tête. Si vous cherchez à tuer les ennemis pour tuer les ennemis, vous les ferez pas rapidement. Donc visez principalement la tête, gardez cet objectif quand vous jouez. Pour les sanguinaires c'est pareil, ne les jouez pas forcément. Essayez de, contrairement aux headshots, essayez de les survoler un petit peu. C'est-à-dire de vous dire, je dois faire mes sanguinaires mais je ne cherche pas spécialement à les faire. Parce que si vous vous concentrez trop sur votre objectif, vous allez finir par psychoter dessus et vous allez péter des plombs. Donc vaut mieux survoler un petit peu cet objectif là. Pour ce qui est des tirs sans atout et avec les 5 accessoires plus le viseur, c'est comme les fusils d'assaut, c'est pas bien complexe. Et après je crois qu'il reste un petit défi à tir de portée ou quelque chose comme ça. C'est pas tir de loin, c'est un autre défi, mais c'est pareil, celui-ci est très très simple et vous aurez pas besoin de moi pour l'effectuer. Mais avec les mitraillettes comme avec les fusils d'assaut, allez jouer, franchement c'est un conseil, en hardcore, donc que ce soit mêlée générale, ça c'est vraiment le top, mêlée générale hardcore, parce que la plupart du temps vous serez derrière l'ennemi dans son dos et vous allez voir que c'est le plus efficace. Mais n'hésitez pas aussi à aller claquer un peu en MME, les joueurs sont pas très très bons, vous allez voir, c'est assez simple
pour monter les armes. Ensuite passons aux fusils à pompe. Donc les fusils à pompe, je n'en ai pas encore monté un seul. Donc malheureusement je ne sais pas tous les défis à faire pour ces derniers. Mais voilà, si je dois vous donner un conseil pour les fusils à pompe, et ça va être un petit peu comme dans toutes les armes, je suppose que pour les fusils à pompe il faille faire quelque chose comme 100 kills sans faire de hit marker, donc en one shot. Et encore une fois, vous vous doutez bien, le hardcore va vous ouvrir des portes. Ce sera pareil pour les snipers, je vous rassure les amis. Et voilà, le hardcore c'est le top, tout simplement pour éliminer vos ennemis plus simplement. Surtout quand vous devez faire des éliminations en one shot au fusil à pompe, vous foutez en hardcore. Par exemple si vous devez monter le KRM ou l'Argus, voilà, vous foutez en MME hardcore et c'est terminé, vous allez les enchaîner très rapidement. Pour les autres défis, je suppose qu'il y a aussi du défi atout et accessoires, donc ça va se faire aussi assez rapidement. Mais je vous conseille principalement de jouer en hardcore, MME, etc. Pour les maps, jouez surtout au fusil à pompe avec sur des petites cartes Nuketown ou Combine à la limite, ou Fringe qui n'est pas hyper grande, mais tout de même, essayez vraiment de vous concentrer sur Combine. Vous allez voir, c'est pas compliqué étant donné qu'on tombe pratiquement tout le temps sur Combine dans nos games. Pour ce qui est des snipers, là ça va être un petit peu plus complexe, j'en ai monté un, vous allez vous dire je suis un noob, mais j'ai monté le dragon. J'ai prévu de monter aussi le locus, mais voilà, j'avais voulu faire le dragon pour m'entraîner un petit peu avec les snipers, parce que sur ce jeu là je pense qu'ils sont pas faciles étant donné qu'il n'y a pas déjà la visée, etc. Donc dragon, très simple, peu importe le sniper que vous utilisez, c'est pareil, MME ou domination plutôt. Domination hardcore, donc soit la MME hardcore, soit la domination hardcore, la mêlée générale au sniper. Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup, je ne suis pas joueur sniper, je ne peux pas me prétendre, je peux pas avoir la prétention de dire que la mêlée générale au snipe c'est de la merde, donc du coup je ne dis rien, mais moi c'est pas mon kiff, donc du coup je vous conseille, voilà, les trois modes, MME, MG pour les pro snipers, et domination qui sont très bien parce que vous pouvez prendre les spawns en domination hardcore, c'est vraiment le top. Viser la tête, c'est pareil, essayez de one shot le plus possible, mais vous verrez que vous n'aurez même pas besoin de viser la tête normalement en hardcore, puisque vous one shoterez, vous aurez 100 kills à faire en one shot pour monter votre sniper en diamant, en or surtout pour commencer. Donc voilà, ce sera pas bien compliqué, vous montez chaque sniper comme ça avec du hardcore et ça va vraiment être assez simple. Vous verrez, vous visez, boum, vous faites vos one shot, vous en avez 100 je crois, quelque chose comme ça à faire. Pour les 5 accessoires c'est pareil, vous les mettez, vous faites vos kills assez rapidement. Et également pour les atouts, vous verrez que c'est vraiment assez simplissime et vous n'aurez pas beaucoup de difficultés pour les snipers. Surtout pour le dragon, voilà, c'est un sniper facile, mais vous verrez qu'après au locus, je pense avec le verrou ça peut être plus compliqué. Mais concentrez-vous et surtout au sniper à jouer, et surtout au sniper et aux pompes, à jouer en hardcore, parce que le simple ça va vous faire péter des plombs avec tous les hitmarkers, vous arriverez jamais à faire vos one shot. Donc n'hésitez pas à aller en hardcore. Pour ce qui est des pistolets, des couteaux, etc., des armes un petit peu secondaires, je m'en suis pas attardé plus que ça, puisque voilà, moi je parle vraiment là des armes principales du jeu, que ce soit fusil à pompe, mitraillette, etc., etc. Les batteuses, bon, je vais pas en parler, parce que c'est un peu des armes, voilà. Si vous jouez à la batteuse, sachez que vous êtes un viewer qui joue à la batteuse, sachez qu'il faut vous reconvertir les amis et essayer de passer à la mitraillette ou au fusil d'assaut, parce que la batteuse c'est pas une arme, c'est quelque chose d'un petit peu sale et c'est pas terrible de jouer à la batteuse. Mais pour ceux qui veulent des conseils à la batteuse, c'est pareil, je pense, bon, la batteuse pas en hardcore les amis, vous irez en normal, ça suffira largement. Pour la batteuse, je vous conseille du point strat et de la domination. Peut-être aussi même de la liaison satellite, parce que c'est des modes où il va y avoir beaucoup de regroupements d'ennemis, etc. Et pour la batteuse, c'est vraiment le top. Je pense qu'il y a 100, il va y avoir 100 headshots aussi à faire à la batteuse. Et puis faire des headshots à la batteuse, entre nous, ça se fait très simplement. Vous foutez un viseur dessus et c'est parti. Voilà, je pense que j'ai été le plus complet possible pour cette vidéo. Et j'ai essayé de vous apporter en tout cas le plus d'aide possible voilà, pour ces armes-là. Les monter en diamant, ça va pas être plus compliqué que ça. Vous verrez si vous avez du mal, si vous avez encore besoin de d'aide tout simplement. N'hésitez pas en commentaire à nous dire, je me ferai un plaisir de vous répondre, je serai là, que ce soit sur la chaîne de la Obscure ou bien sur Code QG ou bien sur Code CF si on est upload, je serai là sur les chaînes et je vous répondrai en commentaire si vous avez besoin d'aide, je suis là, il n'y a pas de souci. Voilà, moi sur ce, je vais vous laisser, le nouvel an sera peut-être déjà passé quand sera sortie cette vidéo, mais je vous souhaite quand même une très très bonne année à tous et voilà, que tout se passe bien. Si 2015 c'est pas bien passé, que 2016 commence bien pour vous. Sur ce, moi je vous laisse, je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses, je vous fais un gros kiss, on se dit à la fois prochaine, prenez soin de vous. C'était Toto. Allez, salut tout le monde.